Salut. J'ai beaucoup pensé à changer mes habitudes, mais c'est pourtant une belle chose que d'en avoir. Les habitudes des expatriés sont complètement différentes. La cruauté de l'aliénation transforme une personne ayant une masse d'activités, d'espoir, d'amour et de lumière en une masse de paresse et d'obscurité. S'il vous plaît, attention. Ne vous fiez pas aux apparences, aux sourires et aux rires qui servent parfois de voile pour cacher les larmes, les courbatures et les blessures causées par les sentiments d'aliénation et de perte, la perte de la patrie, de la famille et de soi. Faites attention et ne soyez pas une raison pour tuer la lueur d'espoir que vivent les expatriés dans votre pays. La perte des habitudes est capable de détruire une personne, de la briser et de la reconstruire à nouveau. Et parfois, elle tue nos âmes. L'aliénation qui est la séparation de la mère patrie vers une autre patrie. Et comme un enfant séparé du placenta pour sortir à la vie avec des sentiments de peur, d'anxiété, de surprise et de froid. Et ne vous laissez pas tromper par les noms. L'expatrié par amour est comme un expatrié qui veut gagner sa vie. Comme en réfugié, nous avons tous la douleur et la perte en commun. La perte. Il nous met entre la vie et la mort. Votre être vibre des problèmes les plus simples. Peu importe à quel point vous êtes fort, il viendra un moment où vous sentirez que vous allez mourir. Sans un câlin. Je vais résister et m'élever pour continuer le chemin. Parce que nous méritons tous la vie et l'amour. J'ai compris que les orphelins de cette planète ne le sont pas de leurs parents morts. Les vrais orphelins sont ceux qui ont des parents vivants mais borderline et dont le cœur est cruel et mauvais. J'ai vraiment eu de la chance avec ma famille. Ils m'ont tout donné, ils m'ont tellement aimé que la séparation avec eux était comme une mort honteuse. Mais il faut se lever vite et se rappeler que nous faisons partie des chanceux car nous sommes toujours en vie et un jour nous rencontrerons nos proches et échangerons des conversations et des rires. Perdre des parents de leur vivant est un sentiment qui tue chaque beau moment et nous fragilise. Et la vraie aliénation est quand tu perds quelqu'un de ta famille sans dire au revoir. Thank you.